All right. All right, so on Elpix, on Drew. C'est quoi ça? Oh, c'est Winner's Final, all right. Winner's Final? Ouais. Est-ce que c'est arrivé ici? Ben, pourquoi pas. Probablement, là, tantôt, ils cherchaient du monde. OK, fait que c'est Drew contre Elpix. Ouais, je pense que ces deux-là ont quand même une bonne histoire ensemble. Ouais. Souvent contre. Peux-tu m'en parler? Ou... Ah, je connais pas beaucoup, mais je sais qu'à chaque fois que je regarde le stream, ils sont souvent contre. Drew était seedé first. Ouais. Elpix était seedé. Deuxième. Bon, ben c'est un contre deux, ça fait du sens. C'est ce qui était supposé arriver. Oui. That was meant to happen. Puis, oh, FD, ça c'est beau. Bien couvert avec. FD le premier stage. Oh, comme ça, au lieu du grab, t'aurais pu faire la mort. Ça aurait été cool, mais. Ouf. Ça en est sorti avec la dernière. Pas vraiment, mais ça en est sorti. J'ai bien pensé. Ouais. Comme ça, où ça va pas faire la mort. Alright. Right. Il a laissé tout le stage. Il aurait juste pu attendre proche du ledge. Puis tu peux trouver son petit bout. Ah ouais, après, avec les fers. Le tournée peut quasiment aider sur ce coup-là. Je sais pas trop quoi dire pour le match-up là. Honnêtement, je connais pas. Je trouve que Drew devrait faire un peu plus de. Derrière comme des fers. Bien spacé. Oui, juste waller. Puis quand tu vas toucher avec un fer de façon, ça va probablement amener un edgeguard de tuer. Comme là, ça aurait pu être un uptilt qui aurait démarché. En ce moment, on voit que Drew il laisse pas mal de place au stage. Hop. Comme là, ici, okay. Ok. Ça m'est sorti, mais la peau qu'on piche, pour plus dans son recovery, Mart peut à peu près tout couvrir. Mais faut juste que tu sois patient et tu le laisses se compromettre. Ok. Elle a quand même beaucoup. Elle a quand même... scout le terrain avant. Une fois que tu vois ce qu'elle fait, là, tu peux réagir. Ouais, c'est ça. Elle a quand même vraiment peu d'options. C'est sûr quand elle a son float, c'est un petit peu plus compliqué. Une fois qu'elle a plus float, c'est. Juste des jabs. Oh, okay. Ouh, ça va tuer. Ok. Mauvais DI, assurément. Mais c'est une option intéressante. C'est pas vraiment à s'y si en attendre non plus. Mais non, vraiment pas. Comme ça, j'aime beaucoup ce fair là. Mais là, j'aime pas ce smash là. T'aurais dû faire juste un autre fair. Hein. Ouais, le front smash en fait. Mais c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Toi aussi, on a du tout en fait, Up Smash. Up Smash, oui, non, c'est l'Air Smash. Il y en a beaucoup, Drew en fait beaucoup. Encore. C'est juste pour ça, selon moi, tu fais juste un petit peu swallow, puis là, il laisse trop d'espace, Peach pour pêcher les journées, mais c'est exactement ce que Peach a cherché dans le match. Donc, c'est bon. Oh, il laisse le ledge. Il laisse le stage. Ok, qu'est-ce qui est arrivé? Un dodge? C'est bon aussi de aller avec les fairs parce que je pense que tu peux te lâcher avec les turnips, c'est-tu? Oui, entre autres. Mais le but c'est de rester toujours relativement assez proche de Peach pour empêcher de tirer les turnips. Ok. Puis ensuite, si tu dash dance proche d'elle, elle va être obligée de se compromettre. Éventuellement. Beaucoup de F-Smash on safe de la part de Drew en ce moment. On veut vraiment finir la stock. Est-ce que c'est le range que Mark aime pas? Lequel ça? Le pourcentage de Peach? C'est toujours difficile de tuer Peach avec Mark. À moins que tu aies un game à 2% genre forward throw pepper. Mais d'habitude, Peach devrait pas. Forward throw down air. C'est jamais de jouer en fait les. Tous les combos down air ou forward smash pepper sur Peach sont jamais de jouer. Ouais, en 0 mais Bricks. Ils ont counter pick sur Mild Story, justement, Paper ouais, Story. Ce qui est le meilleur choix ici, parce qu'en plus, Peach va être plus facile à tuer. Très beau uptilt. Ça, c'est un petit peu dangereux. Le même pick, ça avait l'abonné là-dessus, il a juste manqué le Dantimash. Mais avec Crash Cancel, le up air, il avait juste le Dantimash, puis il avait fait des coups de dégâts. Il était un peu trop haut avec les up air. Oui, en effet. Mal spécifique. En fait, techniquement, je pense que juste un short up air couvre tout à fait comme du coup. Ça, c'est bien fait. Juste à ce pourcentage pas d'avance. Dans cette situation-là, puis j'avais pas aucune option à part se dépêcher d'aller chercher le ledge. Donc, tu peux dans ça-là réagir avec l'ampleur aussi. Oh, puis j'ai le booster. I got a sword too.
Oh! Oh! Non, moi, ça, ça, c'est jamais garanti, mais c'est une fois de temps en temps, la biche va rater son DI. C'est un clin gratuit, c'est vraiment le fun quand ça arrive. C'était quelque chose, hein? Power Troll. Ou Down Troll, je suis vraiment pas assez habitué avec Mark. Je le joue très rare. Mais... Il me semble que c'est Power Troll. Il reste un turn, mais il est déjà parti en bas. Ok. Intéressant, votre campagne. Ok. Tournament winner. Ouais. Mais c'est. Est-ce qu'elle aurait pu punir plus hard qu'un backer ou. À ce moment-là, Hopper n'aurait pas tué. Mais t'aurais pu essayer de juggle. Ok. Mais même là, non, je pense que backer c'était quand même une bonne idée. Je sais pas si t'as un read ici ou juste un autre Power Smash lancé par Drew. Mais l'important c'est que ça a marché. Ouais, comme encore une fois. Oh, oh oui, okay. Ah, très beau, il a raté dans le. C'était très beau comme moi. Il a remarqué que. Il l'a pas mis trop. Il a pas de jump assez. Ouh, ok. Oh, il a raté l'edge là-dessus, j'avais pas pensé. Un petit peu trop bas, je pense, avec un back du tournoi, là. Un stack Yuki, hype, je sais pas. Je pense que Drew il fait souvent quand même très bien. En ce moment, il est du premier, tu sais, ça doit vouloir dire de quoi. Ah, en effet. Mais tu sais, Fubu était pas là. Willy non plus. Willy, il joue-tu encore? Sais-tu? Willy, je pense qu'il joue encore. Mais il vient-tu encore? Je sais pas. On n'est pas trop loin. C'est 1-1. Le counter pick c'est FOD évidemment. Question de bien blender tout ce qui est en dessous des plateformes. Ouais. Puis si jamais il perd sur FOD, il va pouvoir aller quand même sur Dreamland. Qui est probablement qui est la meilleure map dans le match-up. C'est particulièrement. Probablement que Melpix a une préférence pour FOD. Oui, Melpix j'ai juste à me dire juste avant que. Il y avait beaucoup FOD. Surtout contre Fox qui me parlait, là, mais il doit l'aimer sur contre moi. Comme là, tu viens prendre la du tout fini, mais. Ça quand même consolé. Ça s'en sort bien. Ça, c'est le danger, ça. Bon, ça. Ok, on est back. C'est beau. C'est pas facile pour Mars de revenir sur le stage avec Peach. En même temps, Peach a pas beaucoup. À part lancer des turnips, par exemple. Si Peach est à 0%, elle a pas beaucoup de bonnes options pour terminer Mars ou faire du Twitch. Oh, ok. Il est dans le tilt. On va jouer contre après, après même des cas du temps. Ah ouais? Ok. Ouais, vas-y. Bon, je peux y aller. Quand tu veux, je peux y aller. Il n'y a pas de télé. Je veux qu'on te la foutisse. Je pense que c'est un winner. Ouais, il y a une télé du tout. Semis de Redemption. Ouais, c'est un winner. Ok, winner semi. On va voir que je joue mieux que j'ai joué tantôt. J'ai réussi à le battre tantôt en. Ouais, j'ai vu ça. En loser, mais honnêtement, je pense que le son était plus à lui. Donc là, Drew est down dans l'instock. Là, je suis deux fois, trois. C'est là. Ça va bien. C'est que là, les chaque fois, je suis content de ce qu'il y a difficile là-dessus. 93%, c'est très très compliqué pour moi. Un dash dans le kill, c'est bon. Smash. Melpix a un spot dodge vraiment beaucoup de smash dans ce game-là. Melpix est bien adapté. C'est deux stocks quand même. Mm-hmm. Là, on est allé Yoshi. Puis Gamer, on a commencé sur. FD. FD, hein. Ça devrait être FD ou Battlefield, j'imagine. Non, t'as pas. C'est Drew qui a vraiment sur FD? Non, c'est. Non, c'est ah, c'était Jump Spawn, je crois. Moi, t'es quand même bon sur ce match-là. Tu peux pas en verse, par contre. Ils sont mais c'est plus fait. Mais c'est bon parce que cette map-là, ça va être plus facile pour moi de le tuer par le temps. Avec un pied. Je sais que Mark aime vraiment gros la transition de Charles, celle-là de Pokémon. Je pense qu'il y a un peu de misère dans les autres, c'est ce que mais parlant du match-up, c'est sûr que les spéciaux sont vraiment forts dans les autres maps. Mais sur celui-là, évidemment,
Une chose est toujours à l'avantage de Morales. Donc si tu vas sur la zone d'achat, donc si tu vas sur une map comme celle-ci, c'est parce que tu veux pouvoir tuer jusqu'à la fin. Oh, très beau. Très beau smash d'hier de Drew. Puis ensuite, il s'en va taper sa plateforme. Donc ça, c'est très bien exécuté. En fait, je pense que c'est juste ça. J'ai complètement laissé le stage ici. J'aime l'idée. Parce que le stage est tout le même. Complètement à gauche de stage là, moi, je suis extrêmement puissant. Qu'est-ce que vous avez? Ici. Parce qu'il peut... On peut juste clasher les... Oh, ok, on a capturé un. On a capturé un tonneau. Dash back for its match. Ok. C'est pas nouveau, mais ça marche. Non, mais c'est pas une mauvaise chose. Tu vois que Peach se comprenait. Ok. Oh. Non, ça c'était pas. En fait, il avait fait juste un petit peu plus tôt. J'ai parlé de juste un peu off. Une idée pas longue. C'est avec l'exécution qui manquait. Qui se pose du commentary, on pourrait chercher d'autres personnes. On pourrait laisser personne sur le commentary aussi. Beau fer, punish le dernier. J'ai le Vantel, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Ouf! Qu'est-ce que le Vantel fait contre Peach qui peut juste voir cancel? J'ai vraiment l'impression que les derrière, comme le fer, le tripping fer ou le double fer, c'est plus difficile pour Peach de. Ok. Dans le tilt, c'est bon pour contre les personnages qui sont vraiment très rapides. Le Brad et Marge, fait plus. Dans le tilt, ça coûte leur momentum. Mais Peach, il faut en mettre. Pour utiliser une genre de stratégie-là contre Marge efficacement. Wow! Excellent! Meltix, t'as une stop de gagner ça. Ouais, quand même. Puis là, il va essayer de. Une stitch. Tu as besoin en ce moment, je trouve? Oui. Ben non, il n'y a pas vraiment besoin, mais ça sera ça va aider. Ça sera un plus. Ah! Oh, deux fois! Oh my god! Ok! Il n'y avait pas besoin du premier. Le deuxième est meilleur. Ah, puis là, oui, c'est immédiatement. Il se fait pogner par un fort. Mais attends, il y en a un troisième qui s'en vient. Ouais, c'est sûr. C'est ce qu'ils disent, hein? Jamais 203. Ouais. Comme là, j'ai pas vu beaucoup Peach faire ce mix-up là jusqu'à date. Mais à chaque fois qu'il fait des fair, il fait des jabs, presque toujours. Mais tu peux aussi faire fair grab. Fair on shield dans ce jab. Oui, ça c'est la partie comme fair double jab dans Smash ou quelque chose comme ça. Mais tu peux aussi faire fair float cancel grab. Donc si la personne est habituée à te voir jab, puis elle essaie de shield grab. Ça va être compliqué pour moi de rapporter ça, mais ça se fait. C'est pas la fois que j'ai ton tournament stock. Comment que là, c'est bon? Oh, t'es chase, c'est bon ça? Oh non, il y aurait juste du jump. La fois, c'est quand même dans cette situation-là qu'on se tape. Oh, beau, bon, ok. Forward smash. Est-ce que Drew va ramener ça? Oh, il rate le backer de peu. Mais vois-tu, il n'y avait aucune raison de prendre cette, okay. De prendre cette option-là. Faut juste attendre. Oh! Oh! Maxime, il va pour tout, puis il rate. C'est pas fini. Ok, oh. On le grab. Oh okay. My god, il n'y a pas DI. Le DI mix-up sur le down throw. Drew, le DI mal. Puis l'up smash. Belle fin de set, belle fin de set. Alright. Spaghetti à la fin pour les deux, mais Max en sort. Alright, so avant mon match, on nous voit donc.
Si on nous voit, ben là, il y a le chat, là. Mais non, nous. Il n'y a pas de caméra.